Salut à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos que je. À savoir l'analyse euh, des datas sur la Fun Cup. Euh, J'ai donc ici depuis, euh, depuis un bon moment aussi déjà euh, les résultats, les datas de la dernière course de la saison euh, 2023 de Max Bruno et euh, Jérôme Farino. Et on va essayer de voir ensemble, euh, sur différentes vidéos, euh, quels sont les, les quelques points euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient être améliorés ou, dans tous les cas, qui seraient à travailler. Alors, sachant que euh, on a ici les datas de Max Bruno. Et ici, les datas de Jérôme Farino. Okay, comme vous pouvez le voir, euh, le, le best lap de Jérôme était quasiment euh, deux secondes plus rapide que celui de Max. Euh, maintenant, évidemment, il faut prendre en compte aussi qu'il y a peut-être des, des différences de, de conditions de piste qui sont quand même relativement espacées. Néanmoins, bon. On va quand même pouvoir euh, regarder euh, pas mal de choses. Donc c'est sur le circuit de Zolder. Alors par défaut le programme euh, m'a mis euh, les tours minutes, mais euh, c'est pas ça qui nous importe le plus. On va prendre ici, euh, dans un premier temps, les courbes de vitesse. Et euh, bah, tout de suite, donc ici, que je dise pas de bêtises. Euh, le tour de Jérôme le plus rapide est en rouge alors que le tour de Max est en vert alors je vous propose aussi de regarder euh, ici vous allez voir il y a en petit il y a la track map je vais essayer de vous la mettre euh, un peu plus grande voilà euh, on a Plusieurs endroits où il y a quand même des, des différences assez significatives en termes de vitesse. Il faut savoir évidemment que ça, c'est quand même la, la première courbe qu'on regarde hein, pour voir euh, est-ce qu'il y a des différences. On peut voir aussi euh, euh, la variance ici, la variance cumulée. Euh, et on peut noter différentes choses. On peut voir notamment ici une grosse différence ici. Donc ça c'est ici dans le Voilà. C'est ici dans le premier virage dans le T1. Alors évidemment, c'est en course, donc euh, on peut voir ici que il y a probablement eu ici euh, Jérôme Farino qui euh, était en train de doubler une voiture hein, donc ça on va pouvoir regarder euh, aussi tout à l'heure avec différents tours si euh... on peut voir donc euh, euh, sur la première partie ici il y a un max qui était beaucoup plus lent avant, avant jusqu'au freinage donc il y avait probablement euh, une mauvaise sortie euh, de la chicane avant la ligne droite ici. Donc on verra tout à l'heure si c'est euh, récurrent ou si, euh, si c'était dû à, à un dépassement ou quelque chose comme ça ou du trafic. On va pouvoir le voir avec euh, les différents tours qu'on va pouvoir ajouter. On voit qu'ici euh, également il y a une différence quand même assez importante. Hein. Max qui freine beaucoup plus tôt et, euh, et passe le virage beaucoup moins vite. Donc ça c'est c'est ici le virage rapide avant de passer derrière la pit lane. Donc ici on va voir s'il y a quelque chose à travailler. On peut voir euh... Ici également, à nouveau, Max qui freine plutôt. Sans compter également qu'il arrive à plus faible vitesse. Donc, on va voir s'il y a peut-être une raison particulière à ça aussi. Une vitesse de passage ici beaucoup plus faible. Alors ici, le freinage est beaucoup plus appuyé, mais... La vitesse de passage est sensiblement la même. Mais bon, ici aussi, il y a donc une perte de temps. Hein. On peut le voir ici sur la courbe. si à l'attaque du freinage, la différence est de 0, quasiment 0,6 dixièmes. Quoi qu'on ait en sortie, il y a déjà 3 dixièmes de plus. Euh, 2 dixièmes de plus, pardon. Et ça, c'est uniquement à cause de, du freinage ici. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut encore noter comme euh, différence. Attendez. Ici également, une vitesse de passage plus faible. Et ici, sur la dernière chicane, on peut voir que ça sort beaucoup moins vite. Et ça peut peut-être expliquer euh, la différence qu'on a ici. Donc, peut-être que dans le tour précédent, on avait à peu près le même type de courbe qui, au final, arrive là-dessus. Donc, voilà, il y a pas mal de choses euh, à regarder. Mais dans l'ensemble, on voit que ce sont toujours les mêmes différences qui ressortent à savoir un freinage plus tôt. Et. Euh, une vitesse de passage en courbe généralement plus faible. Donc voilà déjà les premières choses qui ressortent. Alors évidemment, avant de, de commencer à tirer des conclusions, il faut essayer de comprendre pourquoi les choses se font euh, de telle manière. Et euh, ben la première chose évidemment à regarder, c'est les trajectoires. Donc on va euh, tout de suite plonger là-dessus. Alors ici évidemment comme je disais là tout à l'heure euh, ici pour le coup c'est compliqué parce que apparemment vous voyez ici il est vous voyez que là, la, la ligne rouge donc c'est Jérôme Farino euh, il est sur la droite et puis il part vers le milieu de piste donc là il est probablement en train de doubler une voiture donc on peut, ne on peut pas ter, tellement euh, tirer de conclusion là-dessus. Euh, mais néanmoins il arrive quand même malgré tout à euh, choper la corde sans pour autant sortir beaucoup plus large même s'il sort initialement un peu plus large que max mais bon ça c'est normal étant donné euh, l'entrée qu'il avait au départ alors euh, autre point intéressant c'est que visiblement euh, il y avait encore une autre voiture qui l'a doublé car on voit ici il sort il est à droite la droite de la piste, et on voit qu'il reste quasiment milieu de piste avant d'attaquer le virage suivant. Alors que là, on voit bien Max qui part sur la gauche. Et donc là, encore une fois, je pense que Jérôme euh, a, fait, euh, a fait un dépassement à cet endroit-là. Il a fait l'intérieur à une voiture à cet endroit-là. Donc, euh, donc voilà, donc ici, forcément, il sera encore une fois un peu plus large. Mais néanmoins, vous verrez tout à l'heure que je, On va regarder une petite chose. Ici, on peut voir que la trajectoire est sensiblement la même. Avec peut-être Max qui est un poil plus sur l'intérieur. Et qui est en fait, quand il, quand il réalise réellement son, son turn-in, bah, il est déjà, il est déjà bah, presque milieu de piste. Donc là, ça, ça va être quelque chose qui va être à travailler, évidemment. La sortie, elle est quasiment identique. Alors on avance ici encore. Et là on voit par exemple ici quelque chose de très intéressant, quelque chose qui ressort, un point qui ressort assez régulièrement euh, euh, sur les trajectoires de, de Max, euh, parce que j'ai déjà préalablement euh, regardé sur plusieurs tours. Et ici systématiquement il est beaucoup plus à gauche. Alors qu'on voit qu'ici Jérôme il est il frôle le mur. Il faut savoir que la ligne correspond à peu près au milieu de la voiture, donc il faut considérer que la voiture elle fait à peu près ça. Vous voyez la taille d'une voiture ici. Et la taille d'une voiture là, vous mettez ça avec la ligne au milieu, vous voyez que vraiment il frôle le mur. Alors que Max il est quasiment au milieu de piste. Donc forcément, ici il rend sa tâche un peu plus compliquée et donc il est obligé de beaucoup plus tourner euh, dans la chicane pour pouvoir euh, pour pouvoir passer et ce qui n'est donc pas l'idéal pour euh, pour aller vite en fait hein. hein, même ici aussi en sortie on voit bien qu'il n'utilise pas euh, toute la largeur de la piste donc euh, si ici si, si, initialement euh, le, euh, jérôme a, a une entrée qui monte sur la bordure mais ça va encore c'est pas trop trop c'est pas trop trop méchant hein. on va dire qu'il a à peu près euh, il a à peu près les roues intérieures à peu près ici hein, on va dire sur le la fin de la bordure alors que là Max euh, bah, il a il est bien monté dessus <laughs> clairement mais on peut voir que à peu de choses près ici Jérôme il est quasiment tout droit en fait hein. ici donc euh, euh, malheureusement dans les dans les fun cup on n'a pas les pour, euh, pour l'accélérateur. Euh, donc ça c'est un petit projet qu'on met en place avec Max de rajouter euh, les capteurs d'accélérateur pour pouvoir plus facilement euh, analyser euh, son pilotage. Mais clairement ici on voit que Jérôme est quasiment tout droit et qui en fait remet la voiture un peu plus droit ici à cette hauteur-là. Évidemment, euh, vu l'angle du virage qu'il y a là, ben, il y a très peu, très peu, très peu, très peu de jets euh, encaissé par la voiture. Et donc, ben, forcément, depuis, euh, depuis cet endroit-là jusque là-bas, ben, Jérôme il est déjà euh, pied au plancher. Alors que, bon, ben, même si ici dans l'ensemble c'est pas trop mal, bien qu'il coupe un petit peu trop, on voit que Ici, il doit remettre déjà plus d'angle alors que la voiture vient tout juste de descendre euh, du vibreur. Ce n'est pas l'idéal pour pouvoir mettre le pied au plancher, d'autant plus qu'il n'utilise pas toute la largeur de la piste. Donc ça, ça va être quelque chose, je pense, qui sera à travailler. Alors, on continue ici. Alors, ici, il n'y a pas vraiment lieu de... Parce qu'il bon, faut savoir qu'une euh, feu de cup, euh, malgré que ça pèse un peu plus de 700 kg, hein, donc... Euh... Et ça fait quoi dans les 170, 170, 180 chevaux, un truc comme ça. Je veux dire, c'est pas des, c'est pas des, des, des foudres de guerre non plus. Euh, ça ne va pas à des, à des vitesses folles euh, ici. Pour pour une fun cup, c'est un virage qui est quand même assez relativement facile à prendre. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'aller si loin euh, sur la droite avec ce virage-ci? j'en suis pas certain un petit peu quand même parce qu'on a un gros freinage derrière et donc il est important d'être d'être droit au moment où on va taper dans les freins. Mais ici, c'est un peu comme comme vous, comme ceux qui roulent sur e-racing peuvent le savoir en MX5 euh, quand c'est pas nécessaire, ben on évite de prendre toute la largeur de la piste si c'est pas nécessaire, si ça nous permet pas de passer plus vite ben parce qu'on agrandit la distance parcourue, ce qui est pas bon pour le chrono non plus. Alors ici, encore une fois, hein, on arrive au freinage avant la chicane, et encore une fois, on voit bien Jérôme qui, euh, qui, qui, qui tient euh, bien, bien, bien le gauche. Il, a, il est ici avec, euh, avec les roues sur le vibreur, alors que là, on voit que Max, il est facilement un bon mètre plus sur la droite. Et donc, bah, forcément, il se complique la tâche, hein, bien sûr. Il se complique la tâche, et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe ici Voilà, ici, très intéressant. On voit qu'ici. Ils sont ici à peu près euh, au même endroit. Ici, Max mord un petit peu moins euh, sur la bordure. Et euh, il finit par sortir à relativement large, euh, alors qu'en fait, derrière suit un virage de droite. Alors que ici, Jérôme a su. Euh, Dès, ici, dès cet endroit-ci, on voit déjà qu'il euh, il diminue on va dire, la rotation de la voiture pour vraiment dévorer le vibreur ici. Hein. Ce vibreur-là, il morfle il morfle à chaque fois. Hein. Les voitures sont avec les quatre roues dessus. Euh, donc euh, ça c'est très très courant. Et c'est plus que nécessaire. Pourquoi Parce que ça lui permet de sortir à peu près mieux de piste et donc de pouvoir avoir une meilleure trajectoire ici. Et donc pouvoir passer plus vite sans pour autant sortir plus large. Vous voyez qu'en euh, sortie, ils sont à peu près au même endroit. Mais le rayon, euh, de, le rayon du virage pour Max, ici, était plus serré que le rayon du virage pour Jérôme. Et donc forcément, ça, ça va lui permettre de passer le virage plus vite et probablement être plus rapide en sortie. Et, euh, et de ce fait, ben, si ce virage-là, je pense... Je ne vais pas me tromper, mais je pense qu'il passe quasiment à fond. Euh, quasiment. Hein. Maintenant, il faut voir. Hein. Euh, bon, pas d'appui sur une fun cup. Je ne pense pas qu'il soit super rapide ici. Mais ce virage-là, même si peut-être un petit peu délicat, euh, devrait pouvoir se passer, je pense, quasiment à fond. Euh... Ici, il euh, euh, aurait peut-être pu... Jérôme aurait peut-être pu serrer un peu plus sur l'intérieur. Et Max, bah, clairement, ici encore une fois, il n'y a pas euh, une utilisation optimum de la piste. Alors ici, évidemment, c'est à fond. Hein, donc euh, ici, comme on passe à fond les ballons, euh, l'objectif ici, bah, c'est de prendre la, la, la distance la plus courte possible. Hein. Ce que Jérôme fait, ce que Max ne fait pas, il écarte un petit peu plus et revient. Donc, ici, s'il écarte d'un mètre ici, il doit revenir d'un mètre là, ben, c'est deux mètres qu'il a fait en plus. Deux mètres euh, à chaque fois, sur chaque virage, ben, ça fait autant de, autant de distance à parcourir en plus, et donc du temps perdu. Alors, ici, on voit que euh, Jérôme rentre beaucoup plus tôt. Il est probablement avec ses roues sur la bordure, ce qui n'est pas le cas de Max. La sortie est à peu près identique pour les deux. Même si là, Max apparemment était euh, un peu fort à l'extérieur. Départ. Ici, ben, c'est la trajectoire la plus courte possible, hein, quasiment rectiligne, le plus possible, évidemment. Alors là aussi, on voit un petit décalage de, de Jérôme. Je pense qu'à mon avis, il a probablement de nouveau doublé une voiture. Et on arrive ici, de nouveau, on a le même problème. On a le même problème qu'on avait vu ici, en termes de trajectoire. On voit ici que. Jérôme a coupé beaucoup plus court. Et si euh, s'ils si sont quasiment au même endroit euh, en sortie, disons on voit très clairement que l'angle de la voiture n'est pas le même. Ici, il est déjà beaucoup mieux installé euh, pour pouvoir attaquer le virage ici. Donc, il a moins de rotation à faire. Ça lui permet de prendre le virage ici plus court. Et donc d'optimiser plus facilement euh, sa sortie, ce qui explique probablement les différences de vitesse euh, qu'on avait vu là tout à l'heure. Donc ici, voilà, quand on regarde un petit peu, euh, quand on regarde un petit peu euh, dans l'ensemble euh, les points qui sont à améliorer, il y a clairement c'est euh, ben, l'utilisation de la largeur de la piste ça, ça va être une chose à faire et euh, optimiser le passage ici des deux chicanes. Hein, bon, même si la saison ne démarre pas sur Zolder, hein, Zolder ne sera qu'en fin de saison. Euh, bon, c'est pas le seul circuit avec des chicanes. Et comme on voit que c'est un problème apparemment récurrent, euh, il pourrait être intéressant de se, penser, de se pencher là-dessus euh, et de bien mettre en place le, 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 le concept de sacrifier le premier virage pour pouvoir optimiser la sortie du deuxième. Et donc euh, bah sortir beaucoup plus vite, ce qui avec euh, avec euh, une fun cup est quand même relativement important, car je rappelle que c'est ce, une voiture qui fait moins de 200 chevaux, donc euh, c'est pas des, des foudres de guerre. Et donc il est vraiment important de euh, vraiment optimiser sa vitesse de sortie, de pouvoir remettre les gaz le plus rapidement possible euh, pour pouvoir bah, profiter de la ligne droite qui suit. Donc voilà, euh, on va noter donc ces premières choses. Alors. Euh Ah. Voilà, alors. Donc on va prendre quelques notes. Euh... Ouais. À travailler alors on va mettre en un trajectoire utilisation de la largeur de la piste au maximum ça c'est le premier point. Utilisation pas Voilà. Euh, trajectoire en chicane deux points. Sacrifier le premier virage pour optimiser la sortie du deuxième. Voilà. Donc voilà les premières notes euh, qu'on a prises ici sur le peu qu'on a pu regarder. Et donc bah, je vous donne euh, rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va commencer à regarder un petit peu plus en détail dans les datas. Euh, différentes choses, euh, regarder un petit peu plus dans les détails euh, sur la courbe de, de vitesse, et également voir euh, sur la courbe de pression des freins, voir euh, les techniques et euh, le, la régularité euh, de leur mise en œuvre, voir si on n'a pas euh, deux trois petites choses euh, à travailler là-dessus. Allez, on va sauvegarder ça. Boum, enregistrer. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine dans cette même vidéo. Ciao, ciao